voir. C'est où? T'as dit quel numéro déjà? 43. C'est là que j'ai eu mon entretien. C'est là. C'est tout ça en fait. Alors? Oh, maman, lui, il est trop beau. Ouais, ça vous plaît? Et c'est ton style, les bijoux? Pas tout, mais quand même. Je pourrais venir te voir travailler comme avant. Hmm? Je pourrais venir te voir travailler comme avant. Alors, tu pourras venir ici, dans la boutique, mais alors, les ateliers là-derrière, je sais qu'il n'y a que ceux qui travaillent qui peuvent y aller. Ce soir, parce que demain vous avez classe et moi je dois me lever très tôt. S'il te plaît! Oui, bonjour. Je suis sur le chemin, là. Je suis pas en retard. Ah non, pas du tout. J'ai une nouvelle pas très agréable à vous annoncer. Le directeur est revenu sur sa décision. Il a choisi quelqu'un d'autre. Vous plaisantez, c'est une blague? Je suis désolée, madame Nobel. Je comprends pas. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? L'entretien s'était bien passé, non? Pas tout à fait. Tout à fait, vos capacités professionnelles ne seront pas du tout remises en question. Allô? Mais enfin, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. J'ai tout quitté pour ce boulot, j'ai déménagé, j'ai scolarisé mes enfants ici, j'ai tout organisé. Je comprends. Enfin, je comprends. Pourquoi vous m'avez pas prévenu avant? Mais le directeur m'a prévenu vendredi soir, juste avant la fermeture. Excusez-moi, vous vous êtes engagé, vous avez signé, quand même. Absolument. Bah, alors? Vous allez être dédommagé. En plus de l'indemnité légale qui équivaut à votre préavis, j'ai payé, la direction a décidé de vous octroyer une prime. Mais je m'en fous de votre prime. La DRH va vous contacter pour vous expliquer les formalités. Elle pourra aussi vous dire comment percevoir les allocations chômage. Je me fous des allocations, moi ce que je veux c'est travailler. Écoutez, madame Nevers, on essaye de faire de notre mieux. Vous faites de votre mieux? C'est ça, votre mieux? Je vais vous traîner au prud'homme, moi. Si vous voulez, rien ne vous en empêche. Mais nous vous indemnisons au-delà de ce qui est prévu par la loi. Alors, vous n'obtiendrez rien, autant vous le dire. Non, mais c'est dégueulasse. Je fais comment, moi, concrètement, dans une ville que je ne connais pas, avec deux enfants, seul, sans boulot, je fais comment? C'est dégueulasse. Bon, écoutez, madame Nevers, je vous souhaite bon courage. Bonjour. Salut. Ça va? Ça s'est bien passé ta journée? Ouais. Et toi?
Ouais, ça va. Il est où ton frère? Il s'est battu à l'école. Ah bon? Ouais. Bastien? Bastien? Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se moquaient de moi. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que je venais de la ville des pouilleux. Oh, il faut pas leur répondre, eh oh. Tu t'en fiches? Ouais. Mais alors? Ils se moquaient de toi. Ah, de moi aussi. Ça va pas du tout, ça. Je leur ai dit que tu gagnais beaucoup d'argent, que tu travaillais dans les bijoux. Et qu'on allait bientôt repartir au Canada, loin de leur gueule de con. Ça regarde ça, comment ça fait, c'est tranquille, les gars, là. Restez tranquille, là, dans la chaîne. Ça va? Qu'est-ce qui se passe, là, en fait? Rien, on parle. Ouais, partez, s'il vous plaît. Partez. Oh, merde. Ça va? Ça va, j'ai rien fait, là. C'est normal, c'est des connards. Léo? Je sais pas, lui. Chantez. C'est nouveau alors? Ouais. On vient d'emménager. Ok, c'est cool. Je vais boire un café, ça te dit de venir avec moi? Je peux pas, je vais aller chercher mon frère à l'école. Ok, bah une prochaine fois alors? Ouais. Ouais. Bon, bah rentre bien. Merci. Hein. Bien ce que vous faites. C'est original. C'est vraiment du beau travail. Je suis désolée, mais je peux rien pour vous. Merci. Merci. Bon appétit. Merci. Tu veux du pain? Merci, mon chou. Tu peux nous mettre deux cafés, s'il te plaît? C'est un peu mon repère ici. Ah ouais? Bon alors, comme ça, tu viens de province? Ouais. Avant, on habite au Canada. Mon père est mort, alors ma mère a pas voulu rester là-bas. On a été dans sa famille à Perpignan. Ok. Salut Léo. Je peux te voir deux minutes? Ouais. Fred? Paul? Bonjour. Bonjour, Paul. Et... Merci.
Vas-y. Merci, c'est sympa. Moi, de rien. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais te parler. De quoi? Tu veux me parler de quoi? De rien. Je sais pas. Vous êtes Thierry ? Bonjour. Je suis le fils de Nathalie Nevers. J'aurais besoin de la voir. Nathalie Nevers ? Ben oui, Nathalie Nevers. Ah, peut-être, mais... Il n'y a personne ici, de ce nom-là ? Bon, écoutez, c'est ma mère, elle est joaillière, elle travaille chez vous. Je vous dis qu'elle ne travaille pas ici. Elle est nouvelle. Elle a commencé il n'y a pas longtemps. Je suis désolée. Vous devez vous tromper d'adresse. On est bien en 43. Oui, on est 43. Alors je me trompe pas. Travail là? Bah oui. C'est hyper bruyant autour de toi. Mais parce que je fais une pause là, une volaille. T'es où? Je suis devant la boutique, qu'est-ce que tu veux? Ça a été ta journée de boulot? Oui, ça a été. Je sais pas, t'avais l'air énervé quand je t'ai appelé. Non mais Paul, j'ai déjà dit 100 fois de pas me déranger quand je suis au travail. Qu'est-ce qu'on mange? Des pâtes. Carbonara? Oui. Je peux jouer.
Ça va? Génial. T'as l'air contrarié? Non, c'est bon. C'est le lycée? C'est normal qu'un temps d'adaptation t'arrive en cours d'année. Finir par te faire des copains, hein, je suis sûre que tout va bien aller. Hein? Dans mon lit, il y a des tours de magie. Et par la fenêtre, je vois déjà la nuit. La lune est belle, elle me dit qu'elle s'ennuie. Maman est venue. Tu débarrasses, Paul ? J'ai fait semblant de ne pas la voir. Et elle m'a chuchoté. Bonne nuit. Oh, tu fais attention. Et tu pourrais débarrasser pour tout le monde. Ça va, je suis pas la femme de ménage. Tout va. Christina. Dans ma chambre, je bois le silence. Ça va? Ça va, ça va. Merci d'être venu. Ouais, c'est normal. Dis-moi, ça t'embêterait de me rendre un petit service? Non, c'est quoi? Je dois déposer quelque chose dans le troisième, mais je peux pas y aller, j'ai rendez-vous avec Fred. Si je vais entre midi et deux, c'est bon pour toi? Oh non, non, ça va être chaud. Non, elle attend son matos d'ici une heure. Au lycée, ils vont me faire chier. Non, mais ça va. Ça va? Tiens, viens.
Tiens, c'est pour toi. Tu déconnes, hein. Vas-y, ouvre-le. Eh mais t'es vraiment dingue. Non, c'est un fake. Eh vas-y, ouvre-le. Tout droit de chez Apple. Tu peux mettre la carte SIM que tu veux, t'inquiète. Il est sublime. Je sais pas quoi te dire. Bah dis rien, ça me fait plaisir. Bon, je dois régler 2-3 trucs. On se voit plus tard, ok? Ouais. Paul, c'est prêt dans 5 minutes. Tu frappes à mon entrée. C'est pas la peine de m'agresser, je te préviens juste qu'on va passer à la table. Ouais, moi je te demande de pas rentrer comme ça. Allez, sors. Tu me parles autrement, s'il te plaît. Je te parle comme je veux. Tu me parles autrement, s'il te plaît. Je te parle comme je veux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me parles comme ça? C'est quoi ce comportement? Enfin, c'est quoi cette attitude? J'ai juste envie qu'on foute la paix, t'entends? Paul, je veux que tu me lâches, tu comprends? T'as vraiment intérêt à changer de ton. Tu restes dans ta chambre, tu te tais, et tu reviendras manger quand tu seras dans de meilleures dispositions, d'accord? Pourquoi vous vous disputez? Je sais pas. Enfin... Non, c'est Paul qui m'en veut. Tu sais, ça arrive, hein. Il viendra dîner plus tard, viens. Je vais le chercher. Non, tu vas pas le chercher, laisse-le tranquille. Je vais lui parler. Tu iras le chercher plus tard, viens manger. Pour changer les chaînes, tu sais comment faire? Bah oui. D'accord. Bon, j'en ai pas pour longtemps. Mais maman, elle a dit que tu devais me garder. Écoute, maman, elle est bien gentille. Mais moi aussi, j'ai des trucs à faire, d'accord? Pourquoi je peux pas venir avec toi? Je vais avoir peur tout seul. Mais parce que c'est comme ça! Et puis t'es grand. Je suis de retour dans une heure. Allez. Je veux venir avec toi. S'il te plaît. T'as un nouveau téléphone? Oh. T'as dit que tu poserais pas de questions. D'accord? D'accord? Ouais. C'est la condition pour que je t'emmène. S'il te plaît.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel avec ton frère? J'ai pas pu faire autrement, j'étais coincé avec lui. T'es attendu dans le 16e. Je vais pas y aller avec lui. Tu te démerdes, t'es bienvenu jusqu'ici, non? Léo, je peux pas y aller avec lui, putain. Je suis dans la merde. Vous y allez pour 23 heures. Et toi, tu ramasses ton frère. Il a dit que c'était dans la cuisine. Vas-y, fouille. Ils sont où? T'inquiète pas, ils vont pas tarder. Oh putain, c'est bon, je l'ai. Tu vois? Ouais, tiens. Bouge pas, mets-toi par terre. Cours, vas-y, cours. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez où? Ça va, j'allais faire un tour. Vous êtes allé faire un tour? Non mais vous êtes complètement fou, quoi? T'imagines l'état dans lequel j'étais? J'allais appeler la police? J'ai pas arrêté d'essayer de te joindre, pourquoi tu me répondais pas? Paul, tu me réponds? L'emmener se balader! Ça va? Non. Vous étiez où? On allait se balader. Jusqu'à minuit? Tu lui as demandé de ravir, c'est ça? Toi, t'écoutes ton frère? Paul, t'as 15 ans, il a 8 ans, tu crois que vous pouvez vous balader n'importe où? J'ai rien à te dire. Si, je crois que t'as des choses à me dire. Rien. Si! Bastien, tu vas dans ta chambre, tu vas te mettre en pyjama et tu vas dormir. Tout de suite. Tout de suite! Qu'est-ce qui se passe? T'emmènes ton frère, je sais pas où. Tu me parles n'importe comment, comment je peux te faire confiance? Mais nous, on peut te faire confiance? De quoi tu me parles? De quoi tu me parles? T'as pas eu ton travail à la bijouterie, tu fais la serveuse dans un restaurant minable et tu nous le dis même pas. Je t'ai vu. Ça y est, tu dis plus rien, tu vas encore te mettre à chialer. Non, je... C'est le directeur qui a engagé quelqu'un d'autre à ma place. Fallait bien que je trouve du travail. J'ai accepté ce boulot de serveuse. Et alors? Écoute, Paul, je suis... Je suis désolée de ne pas vous avoir dit la vérité. Je comprends que tu sois énervée.
Papa, il aurait jamais fait un truc comme ça. Dis. Je retourne au travail. Dans une bijouterie avec une patronne sympa. C'est une bonne nouvelle, non? Super. Paul, j'ai pas fini. Paul! Me prends pas la tête! Je m'excuse pour le café, ça te va comme ça? Tu vois pas que tu fais chier? Arrête de parler comme ça, s'il te plaît! C'est ça. Allez, vas-y, lâche-toi. Maintenant que tu dégages. Tu dégages, tu comprends? C'est ma chambre! Tu enlèves tes mains, s'il te plaît! Tu me touches pas! Pourquoi vous disputez avec Paul? Oui. Faut pas que tu t'inquiètes, tu sais, on se dispute beaucoup, mais ça va passer. Et puis j'ai de son âge aussi d'être en colère contre moi. Mais quand est-ce que vous allez arrêter? Bientôt. Puis tout va bien quand même, tu vois, j'ai trouvé un travail que j'aime bien, j'ai une patronne hyper sympa. Ça va rentrer dans l'ordre. Tu te sortes ça de la tête, d'accord? Non. On est relié à une société de télésurveillance. Si vous avez besoin d'accès aux vitrines, vous me demandez les clés. Ouais, très bien. Moi, j'ai l'habitude. Je suis tellement contente de me remettre à travailler. C'est une pièce sur laquelle je travaille depuis des mois. Ah. Ah oui. Ce sont des diamants? Mmh. Ah, il va être superbe. Merci. Ah oui. Pour la pierre du centre, j'hésite. Entre un diamant ou une pierre de couleur, je sais pas. Vous en pensez quoi? Non, je crois que j'ai une préférence pour le diamant. Moi aussi. Oui. Vous allez pouvoir commencer la maquette alors. Oui, très bien. Paul, t'as vu mes pierres? Non. Arrête, s'il te plaît. Elle est quand même belle. Je m'en fous. S'il te plaît, pas ce soir. J'ai pas. Ça sent sa fille. J'ai pas envie de jouer. Non, j'ai pas la tête à ça. S'il te plaît, va-t'en. Bastien, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Qu'est-ce que t'aimes pas? Je bats tout. Tout est nul.
Qu'est-ce que c'est que ça, Bastien? D'où vient cet argent? C'est mes économies. Ah, parce qu'avec 1 euro par semaine, t'arrives à économiser, toi. Je veux que tu me dises ce que c'est. C'est mes économies, je te dis. Bastien. T'es fâchée? Oui, je suis fâchée. Et je te crois pas. Bastien, si tu prends dans mon porte-monnaie, c'est pas bien. Mais c'est pas dans ton porte-monnaie, je te le jure. Alors d'où il vient, cet argent? De Paul? C'est Paul qui t'a donné cet argent? Je répète une dernière fois la question. C'est Paul qui t'a donné cet argent? C'est un cadeau. Il a dit qu'il pouvait prendre ce que j'avais envie. Depuis quand il te fait des cadeaux de 50 euros? Tu sais d'où ça vient? C'est ses économies. Ah oui, tout le monde a des économies dans cette maison. On tourne en rond là, Bastien. Je veux savoir d'où vient cet argent. Il t'a dit quelque chose? Non. Tu connais ses nouveaux amis? Non. Bastien, si tu sais quelque chose, il faut me le dire, c'est important. Mais je sais rien, moi. Comment t'as trouvé ici? Devine. C'est pas moi qui ai emmené ton frère dans ce café. Putain, mais quel connard! T'arrêtes de parler de Bastien comme ça! Qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi, c'est quoi ce café? C'est eux qui te montent la tête comme ça? Tu me réponds? Paul, tu m'entends? Pourquoi tu te venges sur moi? Mais pourquoi? Mais tu veux bien me parler, s'il te plaît? Tu crois que c'est facile pour moi? Hein? Tu crois qu'à mort de ton père, il y a que pour toi que c'était difficile? Je t'interdis de parler tu de mon père, pas. Ok? Je t'interdis. On va manger dehors. Pourquoi? Parce que... Tiens, tu t'habilles? Allô, Léo? Ouais, non, j'ai avec mon petit frère. Ok. À quel endroit? Ouais, j'arrive. J'ai un petit souci. Quoi? Mais j'ai un rendez-vous urgent, il va falloir que j'y aille. Tu peux y aller tout seul? À l'école? Tu connais l'adresse, non? Non, pas très bien. Bon, allez, t'en fais voir. Je vais t'expliquer. Donc là, tu files direct tout droit, d'accord? Mm-hmm. Viens, je t'emmène à l'école.
C'est grave, Paul. C'est très grave. Tu les as vus au moins, ces types? Tu pourrais les reconnaître? Mais non, je les ai pas vus. Ils portaient un casque. Ça s'est passé en un quart de seconde. T'imagines bien qu'elle était pas vide, cette sacoche. Si t'es payé tout ce fric, c'est pas pour rien. Non, mais c'est pas possible. Les mecs avaient préparé leur coup. J'étais repéré avant de commencer, c'est sûr. J'ai l'air de quoi, moi? Je garantis que le boulot sera bien fait, sans aucun problème. Et toi, tu fous tout en l'air. Je te fais confiance, Paul. Mais qui me dit que t'as pas gardé la sacoche pour toi, hein? Mais là, tu déconnes. T'es fou, quoi. Léo, dis-lui, putain. Il écrit la gueule. Ferme ta gueule. Fred, j'ai fait aucune crasse. J'y suis pour rien. Je te le jure sur ma famille, vraiment. Cette affaire, elle dépend plus de moi. Mais ça dépend de qui, alors? D'un type qui va pas apprécier de s'être fait voler son matos. T'attends là, tu bouges pas. Tu sais combien il y avait dans cette sacoche? 40 000 euros et 1 millier d'ecstasy. Ça fait combien? 75 000. Tu dis qu'on t'a suivi et que tu t'es fait arracher cette sacoche? Ouais. Suivi en scooter. J'ai rien pu faire. C'est ce que tu me dis? J'ai pas de raison de te croire. T'as une dette envers lui. Tu comprends ça? Comment tu comptes rembourser une telle somme? Je vais pas laisser 75 000 euros disparaître dans la nature sans que personne ne paye la note. T'as compris? Thank you.
s'est passé quelque chose? Non. Je voulais juste te voir. Comme ça? Ouais, comme ça. T'as le temps de la pause déjeuner? Ouais. Mon prof est malade. Ça me fait plaisir que tu viennes me voir. Bah, viens. Je vais te présenter à Muriel, je vais te montrer l'atelier. Vous pouvez le remettre au coffre? Je continuerai cet après-midi. Tu sais que tout a été extrêmement surveillé ici? Que chaque pièce est répertoriée? Chaque jour? Bon. Tu comprends bien que s'il manquait quoi que ce soit, on saura tout de suite qui a pris quoi? Si tu voulais que je perde mon travail, tu t'y serais pas pris autrement. Qu'est-ce qui se passe, Paul? Ils ont tout récupéré. Mais quoi, ça faisait longtemps que c'est ça qui était là? Oui. Et Léo, c'était le seul à venir? Ouais, le seul, je crois. Il doit 75 000 euros. Il peut pas les payer. Va falloir trouver un moyen. Parce que mes amis peuvent se montrer violents s'il le faut. Je vais porter plainte. Tu es sûr que tu as tout raconté à ta mère? Parce que c'est pas un ange, votre fils. Recel, vol à l'arraché, trafic de drogue, cambriolage. Oui, ben maintenant c'est fini. Hein? Il arrête ses conneries maintenant. Et vous l'oubliez, d'accord? Vous l'oubliez. On dirait que tu as honte. Mais tu n'avais pas honte quand tu venais de me demander de faire des coups qui rapportaient plus? Il voulait toujours plus. Tu lui as parlé de tes virées dans les appartements avec Léo? D'un vol avec violence? Les flics cherchent encore les coupables. Tu lui as parlé de ça? Elle est au courant de ça? Je sais pas rien. C'est pas ce que raconte Léo. En tout cas, c'est pas ce qu'il va dire aux flics. Et tu sais très bien qu'il peut te charger. Vous avez pas le droit de faire ça. Tout ce que je veux, c'est récupérer cet argent. Mais moi, je veux pas rembourser une somme pareille. Paul m'a dit que vous travaillez dans une bijouterie. À partir de maintenant, je saurai toujours ce que vous faites, avec qui vous parlez. N'essayez pas de me baiser. J'aurai toujours un œil sur vous. Et quand on aime ses enfants, on a envie qu'il leur arrive rien, non? Il y a un type en bas. Je le reconnais, c'est César. C'est un pote à Fred. Paul, il faut que tu me racontes tout depuis le début. Tout ce qui s'est passé. Tout. Les virées dans les appartements dont il a parlé, c'était quoi? On allait chez les créanciers, les intermédiaires qui devaient du fric à Fred. On allait quand l'appart était vide, et puis on prenait tout ce qui avait de la valeur. Fred, il nous donnait notre part une fois qu'on avait fait le travail. Il venait avec vous? Qui, Fred? Oui. Non. Il vous disait juste où aller? Ouais, parce que tout ça, ça passait par Léo, surtout. Et Léo, t'as de ses nouvelles? Non, sa ligne est coupée.
Tu vas faire une liste de tous les appartements où vous êtes allé et des amis avec qui t'as fait ça. Pourquoi? Parce qu'on va la montrer à la police. On va leur montrer cette liste, on va leur expliquer. Non, tu peux pas faire ça, tu peux pas. Calme-toi, s'il te plaît. Non, tu comprends pas, là. Tu comprends pas, putain, il y a des témoins. Il y a des témoins, ils m'ont vu, ok? Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. S'il te plaît, moi. Oui. On va trouver une solution. Je te jure qu'on va trouver une solution. Bon, je vais y aller. Hein. Paul, vous sortez pas. Hein. Si on sonne, vous ouvrez pas. D'accord? Ok, Bastien? Ça va durer longtemps? Je sais pas. Ça va aller? À tout à l'heure. J'étais à la banque, je peux pas faire d'emprunt de ce montant-là. Mais je pourrais vous rembourser petit à petit. On n'est pas dans le monde du crédit. Je peux pas attendre. Mais oui, mais moi, je peux pas faire autrement. T'as pensé à la bijouterie? Non. Mais il va falloir pourtant. Je peux pas faire ça. J'attends de tes nouvelles. Je peux pas faire ça. C'est une très belle pièce. Ce sont des diamants d'une pureté exceptionnelle. Il serait possible de le voir porter, c'est pour un cadeau. Bien sûr. Nathalie, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Oui, j'arrive. Ce sont des diamants d'un carat, sertis dans des châteaux en or blanc. Je suppose qu'une pièce comme celle-là a beaucoup de valeur. Oui, c'est une pièce unique. Pourrais-je avoir le prix? Nous la vendons 120 000 euros. Qu'est-ce que tu faisais en bas? Rien. Je suis fatiguée, c'est tout. Allô? Oui. Tu lui donnes du Doliprane? Paul. Je fais ce que je peux pas. Ça va? Oui. Enfin. C'est Sébastien qui a mal au ventre. Mais il n'est pas à l'école? Non. Non, exceptionnellement, non. Pas aujourd'hui. Comment il savait que je travaillais dans une bijouterie? C'est moi qui l'aurais dit.
Tu te rappelles quand tu leur as dit? Je sais pas, je m'en souviens plus. C'est il y a longtemps? Ouais. Au moment de la sacoche, là, quand ils t'ont proposé l'affaire de la sacoche, ils savaient déjà que je travaillais dans une bijouterie? Ouais, parce que j'ai dû leur dire dès le départ. T'as regardé ce qu'il y avait dans cette sacoche? Non. T'es sûr qu'il y avait quelque chose? Bah attends, on m'aurait pas payé 1500 euros pour rien. Ah, sauf si c'est eux qui ont volé la sacoche. Non, Léo, il aurait pas fait ça. Je lui faisais confiance. Et si c'était pour m'obliger à les faire rentrer dans la bijouterie? Non, je t'assure. Je regardais le collier dans la vitrine, il est vraiment magnifique, mais est-ce qu'il serait pas encore plus beau si on masquait le fermoir sous une pierre? J'y ai pensé, justement. Oui. Il faudrait trouver un système vraiment très plat. Oui. Non, mais j'avais monté un système comme ça au Canada, j'ai peut-être encore des plans, des documentations là-dessus. Est-ce que je pourrais regarder? Bien sûr. Ça vous ennuie pas? Merci. Oui, ça serait bien, ça. Je vais prendre des photos, comme ça je pourrai réfléchir tranquillement chez moi. Et puis je vous ferai des propositions. Très bien. C'est une très bonne idée. Mmh. Vous me direz ce que vous trouverez. Oui. Sur les facettes, c'est parfait. Oui, c'est très bon. Alors, je vous montre la taille juste au-dessus. Ah oui, je pense que c'est ça. Ah oui, ça c'est parfait, ça. J'en aurai besoin de 19 comme ça, et je vais voir ce que vous avez dans les plus grosses aussi. Alors, une taille au-dessus, c'est celle-ci. Oui, c'est exactement ça. Plus jamais ça, toi. Hein. Lâchez-moi! Regarde-moi, regarde-moi. Plus jamais, hein. T'as
T'as voulu me voir, donc je suppose que t'as des choses à me dire. J'ai réfléchi à la bijouterie. Les systèmes d'alarme sont impossibles à déverrouiller. T'as pas les codes? Non. Les codes sont fournis à ma patronne par le système de télésurveillance et elle a toujours les clés des vitrines sur elle. Mais qu'est-ce que tu proposes? Mardi matin, à 12h30, je travaillerai sur le collier, dans l'atelier. Il y a une protection dans l'atelier? Ben non. Enfin, il y a un système d'alarme, mais qui n'est pas automatique, et des caméras, c'est tout. Mardi. C'est la reprise de la semaine. Entre midi et 14h, il n'y a jamais personne. Et j'ai proposé à ma patronne de retravailler sur le fermoir. Qu'est-ce qui se passe? Viens, il faut que je te parle. Viens. J'ai amené des systèmes de fermeture qui pourraient s'intégrer à une pierre. Si vous voulez, je peux travailler sur le collier. Je préférais que vous occupiez de la bague de Madame Massé. Il faut que ça retire le diamant. Elle va passer tout à l'heure. Nathalie ? Oui ? Ça va ? Oui, ça va. Allô ? Oui, elle est là, mais elle ne peut pas vous parler pour le moment. D'accord, très bien, je lui dirai.
C'est l'école de Bastien. Ils veulent que vous veniez le chercher. Allô, c'est la maman de Bastien. Beaucoup ? Oui, non, je peux pas venir là pour le moment. Vous pouvez lui donner un cachet. Écoutez, je ne peux pas venir. Vous pouvez quand même le garder quelques heures ? Bon, bah, appelez le SAMU tant qu'on y est. Pour une fille, ils ont que ça à faire. Mais qu'est-ce qui se passe ? Non, rien, c'est Bastien qui a de la fièvre. Bah écoutez, allez le chercher, puis revenez. Non, mais vous mettez pas dans un état pareil. Oui, je vais y aller. Allez-y. Désolée, vous voulez pas me garder. Tu pars. Je voulais que tu tombes malade aujourd'hui, juste aujourd'hui. Je t'avais dit que c'était important. Tu le fais exprès, Bastien. Je leur ai demandé de pas te déranger à l'école. Tu peux pas venir avec moi au travail, tu comprends ça? Parce que Muriel, elle veut pas. Mais parce que c'est impossible. Bon, écoute-moi. Tu vas rester ici et tu vas m'attendre jusqu'à ce que je revienne. D'accord ? Non. Tu m'as bien comprise ? Merci. Vous me reconnaissez ? Je travaille dans la bijouterie juste derrière. Oui, bien sûr. En fait, j'ai un souci, c'est que ma patronne ne veut pas que mon fils vienne dans l'atelier. J'aurais besoin que vous puissiez me le garder, mais vraiment pas longtemps. Je vais le rechercher très vite. Ok, mais dépêchez-vous. Oui, promis. Merci. Ça va aller ? J'ai fini, vous pouvez venir voir. C'est bien. Merci. Je vais travailler sur le collier alors. Oui. J'ai amené les fermes moi. Ils sont là. Celui-ci qui serait peut-être le plus pratique, en tout cas qui est le plus fin. Sinon, il y a ça. Il est plus fin, mais ce serait moins harmonieux. Vous êtes d'accord ? Oui, enfin. Celui-ci, c'est celui qui s'accorderait le mieux, en fait. Je suis désolé, mais il arrête pas de vous réclamer. Le patron ne veut pas être responsable de votre gamin. Monsieur, je vous raccompagne. Non, vous non, gardez non, encore non. Juste une. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je veux rester avec toi. Va, viens. Donc, tu vois, là, ça s'accroche ici. Tu sais qu'elle travaille drôlement bien, ta maman.
Moi aussi, j'en ai des pierres. Ouais. Des saphirs, des émeraudes, des rubis. Oh, mais t'en sais des choses. C'est maman qui m'a appris. Attends, tu vas voir. Tiens, ferme les yeux. Attention, ouvre-les. Ah, c'est pour toi. Oh, merci. T'as vu mes pierres? Recule, recule, tu recules. Tu restes là, tu bouges pas. Assieds-toi. Ça s'est bien passé? Ouais, comme prévu. Merci. On y va? C'est où? À Toronto. Thank you.
Thank you.